Donc d'ores et déjà en 2018, les biomarqueurs ont fait leurs preuves, non seulement pour les pathologies neurodégénératives, mais également pour les pathologies vasculaires et les pathologies inflammatoires. Toutefois, donc, même si l'intérêt pour ces biomarqueurs est avéré, se posent plusieurs difficultés. Tout d'abord, la difficulté de mise au point des nouveaux traceurs. Deuxièmement, l'acceptation éthique de ce type de traceur qui souvent arrive à un stade asymptomatique de la maladie. Et enfin, il faudra trouver, pour le proposer au plus grand nombre de nos patients, il faudra trouver un modèle de développement qui soit à la fois intéressant pour la santé publique et à la fois intéressant pour l'industriel.